Bienvenue sur les avertis, vous tous et vous toutes qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons aujourd'hui venir avec une prédication, une exhortation que nous voulons réellement partager avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse, d'autres gens qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est considéré comme des jeunes. Et d'autres gens qui ont, c'est pas 60 ans, ça dit que c'est considéré aussi comme des jeunes. Est-ce que être jeune, c'est quoi au fait? Est-ce que c'est l'âge? Être jeune, c'est quoi? Mais nous voulons parler plus par rapport au comportement, puisque c'est là, ça fait quelques jours ou semaines que le Seigneur me met vraiment à cœur de parler sur ces sujets. Vous allez continuer à suivre nos émissions. Ça fait quelques semaines qu'on a pu tourner des émissions. Vous savez, deux fois, notre mission, ce n'est pas seulement de faire des émissions comme ça, mais notre mission, c'est aussi partager avec des hommes et des femmes en coulisses, pourquoi pas, aussi faire d'autres choses. Pour le moment, nous sommes en train de continuer avec notre projet que nous avions déjà commencé avec quelques bien-aimés qui sont déjà au courant de cela, et je pense que cela va aussi nous aider à progresser par rapport à l'évangile, puisque notre mission sur les avertis, c'est une mission purement évangélique. Je vous bénis, vous tous qui sont connectés à nous suivre réellement dans cette émission d'aujourd'hui. Le titre, vous le voyez déjà, Vivre sa jeunesse. Vivre sa jeunesse, c'est le titre en fait que nous voulons partager. C'est le titre que nous voulons réellement vous donc venir avec pour vous donner ces messages de la part de notre Seigneur Yeshua. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute vérité, que nous puissions réellement comprendre ces messages, et qu'après avoir compris ces messages, que nous soyons aussi des hommes et femmes capables à véhiculer ces mêmes messages et donner aussi à plusieurs qui sont dans le besoin, puisque nous savons que le monde est tellement corrompu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire et que son nom puisse être toujours élevé au-dessus de tout nom, car c'est lui qui est notre Seigneur et Maître. Que son Esprit nous conduise dans toute vérité au nom de Yeshua. Amen. En regardant sur Internet, j'ai vu que pour le moment, la population mondiale, c'est-à-dire population totale en 2021, c'est-à-dire 2021, nous sommes maintenant sur Terre ou dans le monde 7 874 966 000 personnes vivent sur la Terre. Pourquoi ces chiffres? Puisque par rapport aux études faites, nous avons aussi remarqué que par rapport aux chiffres donnés, c'est-à-dire 7 milliards, les jeunes sont plus de 65 ou voire même 70% ou 70%. Les jeunes dominent en fait. Pourquoi? Puisque un parent ou deux parents, c'est-à-dire une femme et un homme, peuvent avoir minimum 5 ou 3. Cela nous prouve déjà que les parents sont plus, donc sont moins que les enfants, que les enfants. C'est ça ce qui est important à comprendre un peu la situation géographique ou bien la situation, je vais dire, démographique du monde. C'est-à-dire, il y a plus de jeunes que de vieux sur la Terre. Mais pourquoi est-ce que je viens avec ces messages aujourd'hui? Puisque nous vivons sur la Terre et nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se passent. Et cela nous donne envie de foi, de prêcher, de véhiculer ces messages à tout le monde, mais on est aussi limité. C'est ainsi que je fais cette émission en français pour aider aussi ceux-là qui nous suivent sur les avertis, qui ne parlent que français, pour qu'ils puissent aussi, n'est-ce pas, bénéficier ou profiter, n'est-ce pas, de cette grâce, cette petite grâce, bien sûr, que le Seigneur a mise en nous. Et nous allons, par la grâce de Dieu, faire comme ça, des fois en français, des fois en anglais, et je vais dire des fois en français, des fois en lingala, pour que tout le monde puisse réellement être béni au nom de Yeshua. Le passage connu par rapport au comportement, par rapport à la jeunesse, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, verset, ça dit chapitre 11, verset 9.
Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, la Bible nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » En lisant ces versets ou bien ces passages, beaucoup de gens ont tendance à penser que ces livres, mais ces passages sont en train, n'est-ce pas, d'encourager les jeunes à commettre des fautes ou à faire des erreurs. Non. Quand on dispose ou bien on présente à quelqu'un les dangers de sa vie, la personne pourra peut-être redevenir conscient ou consciente par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait. C'est ainsi que ces passages, c'est un passage que nous voulons décortiquer, mais cela va nous amener à donner d'autres exemples pour essayer un peu d'aider quelqu'un pendant quelques minutes. En fait, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas passer outre. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas stopper, c'est-à-dire le développement humain, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas stopper l'adolescence, par exemple. On ne peut pas sauter son adolescence. C'est-à-dire la jeunesse, c'est le mix aussi de cette adolescence qui vient, n'est-ce pas, dans tout homme, dans tout humain. C'est-à-dire chaque personne qui vit, il est confronté, n'est-ce pas, à cette réalité de la vie. Et surtout, quand on dit confronté, ici, on voit plus les parents. Parce que le parent voit, mais quand toi étant parent aujourd'hui, lorsque tu étais encore jeune ou bien adolescent, tes parents voyaient aussi, c'est-à-dire ils comprenaient d'autres choses que toi tu ne comprenais pas. C'est pour cela, c'est très important et capital de comprendre que lorsque vous avez des enfants et que ces enfants passent une certaine âge, un certain âge, il faudrait comprendre qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas zapper, qu'on ne peut pas sauter. C'est-à-dire, lorsque l'enfant passe son adolescence, c'est une partie de vie tellement trop, il y a trop de chocs, il y a trop de problèmes. Si vous gérez ça mal, et l'enfant pourra perdre même sa vie. Et lorsque cet enfant n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de passer réellement sur cette étape-là de l'adolescence, vous verrez que cet enfant aura tendance plus tard à récupérer le temps perdu. Et cela m'amène à réfléchir, à dire que oui, c'est-à-dire, c'est qu'il y a d'autres adolescents adultes, quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, mais il se comporte comme un adolescent. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Puisque peut-être il a, n'est-ce pas, zappé ou sauté, ou bien il n'est pas passé par cette étape-là de vie qui est très importante pour chaque personne vivant sur la terre. Et selon le milieu, selon la famille, selon le pays, selon les cultures aussi, il y a d'autres gens qui passent cet âge-là sans pour autant commettre trop de dégâts. Mais il y a d'autres gens qui ont commis tellement de dégâts que ces dégâts ont laissé même des traces. Vivre sa jeunesse, ces messages ne doivent pas seulement intéresser ces jeunes qui vont me suivre, mais ces messages doivent aussi intéresser les parents qui ont des jeunes. Ces messages doivent aussi intéresser toi, adulte, qui te sens aussi jeune. Parce que chaque personne se connaît tellement que tu ne peux pas mentir à ta propre conscience. C'est-à-dire ta vie, lorsque tu es en train, n'est-ce pas, de la mener, tu sais seul, tu sais, toi seul, tu es témoin de ce que tu penses dans ta tête. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas vécu d'autres choses, mais ils veulent maintenant récupérer ces choses-là plus tard. Et cela est bien, par rapport à l'âge que tu as aujourd'hui. Et cela est propre, lorsque tu es jeune, tu penses que tu dois vivre pleinement ta vie, en commettant toutes les mauvaises choses que beaucoup de jeunes commettent. C'est ce que nous voulons voir dans cette émission. La Bible nous dit ici que jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Être jeune, c'est un privilège. Être jeune, c'est une grâce. Être jeune, ce sont des opportunités. Quelqu'un qui finit jeune ses études, lorsque tu vas rentrer, n'est-ce pas, dans la vie professionnelle, cela va aussi te booster pour que tu avances, pour que tu croisses réellement physiquement, intellectuellement, je ne sais pas, financièrement, pourquoi pas aussi
socialement, que tu croisses afin de mettre en œuvre ce que tu as appris à l'école, ce que tu connais, ce que tu sais faire. Lorsque tu es sportif étant jeune, c'est-à-dire tu as plus de la vigueur, tu es plus fort lorsque tu es jeune. C'est ainsi que je te dis, être jeune, c'est un privilège. Puisque ceux-là qui sont vieux, ils t'envient lorsqu'ils te voient. Puisque lorsqu'on devient vieux, on devient vieux ou vieille, on a des traces de la vieillesse, on a des rides partout, on a des os qui font mal, on a plus de cheveux, on cherche à redevenir jeune, c'est-à-dire on a plus de soucis par rapport à la transformation naturelle de notre corps. Et cela, pour des jeunes, c'est même pas des choses à parler puisqu'ils n'ont pas ça. Déjà du fait que le monde est en train de chuter, c'est-à-dire, quand je dis chuter ici, je suis en train de voir réellement par rapport au monde ancien jusqu'à aujourd'hui. Si vous faites cette comparaison, vous verrez que le monde ancien était plus propre. Et ce monde aujourd'hui devient tellement globalisé, donc globalement pollué, pas seulement par rapport à la vie, mais c'est aussi par rapport à la croissance démographique, comme je dis, 7 milliards de personnes qui vivent sur la Terre. Et souvent dans des pays mal organisés, au lieu que des gens qui vivent puissent, n'est-ce pas, se répartir dans des milieux, ou bien dans des lieux où il y a vide, mais ils veulent se condenser dans des endroits. Cela amène de la saleté, cela amène des maladies, des épidémies, et cela amène la mort subite. Pourquoi? Puisque les gens ne vivent pas proprement. Et mais lorsque vous êtes, comment dirais-je, le monde que nous voyons, c'est le même monde qui existait 2000 ans avant. C'est pour dire que lorsque les gens étaient plus, donc moins nombreux sur la Terre, il y avait aussi, n'est-ce pas, cette aération qui faisait qu'il n'y avait plus, il y avait pas beaucoup de maladies comme aujourd'hui. Je ne dis pas que puisque les gens sont en train de remplir la Terre, il faut tuer le monde. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est par rapport aux situations démographiques que je suis en train également d'expliquer ces choses. Je disais que être jeune, c'est un privilège. Ce sont des opportunités de la vie. Et cela aidera aussi quelqu'un, n'est-ce pas, à avancer ou bien à réaliser ses rêves. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut plutôt vivre, donc, ses rêves que rêver sa vie. C'est-à-dire, en étant jeune, tu peux, n'est-ce pas, te donner des objectifs pour atteindre, n'est-ce pas, le but que tu veux atteindre dans ta vie, puisque étant jeune, tu as de la possibilité, n'est-ce pas, à bien tracer les choses. Et lorsque tu es jeune maintenant, c'est là où le diable même vient pour travailler dans de jeunes afin de polluer le monde. C'est pourquoi vous verrez dans des universités du monde reconnues, donc universités d'élite, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, n'est-ce pas, à faire rentrer les jeunes dans des sectes pour que ces jeunes-là, leaders puissent, n'est-ce pas, constituer un groupe d'élite qui a, n'est-ce pas, reçu des messages diaboliques qui va faire en sorte que tout ce qui est mauvais puisse être amplifié sur la terre. Et ces messages, lorsqu'ils prennent ça à l'université ou au collège, ils viennent avec ça et ça devient des choses comme des choses normales. Avant, lorsqu'on parlait d'homosexualité, c'était quelque chose de tabou. Mais aujourd'hui, être homosexuel, c'est comme tu es tellement moderne. Et c'est là, toujours dans le cadre de ces jeunes, cela fait que, donc du fait de banaliser les choses, le péché est en train, n'est-ce pas, d'accroître, n'est-ce pas, au milieu des gens. Et l'Ecclésiaste dit ici que « Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse ». Être jeune aujourd'hui, ça veut dire aussi que tu veux fêter, tu veux faire de la fête, tu veux faire la fête, aller partout, voir, c'est pas les concerts, essayer de voir des amis. Et malheureusement, tout cela ne finit pas toujours bien. Tout cela ne finit pas toujours bien. Pourquoi? Puisque il y a des choses qui, n'est-ce pas, circulent dans ces milieux.
Et il y a de la drogue, il y a de l'alcool, même le sexe, tout ça. Ça devient quelque chose comme une mode. Et c'est ainsi que lorsque tu vas ramasser tous ces démons, et ces démons vont te charger jusqu'à un certain âge, et puis tu seras inutile en fait à la société. Toi qui étais censé avoir grand, à faire des choses, je ne sais pas, d'une manière là tellement organisée, ordonnée, et tu vas voir directement que ta vie sera une vie, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, désorganisée. Tu n'auras même pas la force, voire même d'arranger ta propre chambre. Tu n'auras même pas la force de cohabiter. Ceux-là qui pensent mieux, vivre sa jeunesse aussi, c'est pas la manière de dire que oui, je suis jeune, je dois faire comme je veux. Non. C'est pourquoi je disais que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui sont vieux, et qui n'ont pas vécu, n'est-ce pas, les temps d'adolescence, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent récupérer ces temps. Pourquoi tu verras un vieux de 50 ans aller chercher une fille, c'est pas de 15, 16, 17, 18 ans? Pourquoi? Puisque pour lui, il voit ces jeunes-là, mais cette jeune-là comme, comment dire, quelqu'un de son âge. Et vous verrez même, je discutais avec un bien-aimé, on dira que même des jeunes d'aujourd'hui n'ont plus ce respect par rapport à être jeune et adulte, c'est-à-dire le respect mutuel qui devrait exister entre, n'est-ce pas, les adultes et les jeunes n'existe plus. C'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui ont tellement le courage qu'ils n'ont même pas honte de sortir avec quelqu'un qui est plus âgé que lui ou qu'elle. C'est ainsi que nous devrions faire attention, puisque nous savons que le diable œuvre aussi beaucoup dans ce genre de choses. Nous allons lire un deuxième verset. Le deuxième verset, c'est-à-dire toujours dans le chapitre 11, Ecclésiaste, nous prenons le verset 10. « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » C'est-à-dire, bien que comme je venais de le dire ici, que être jeune, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Mais c'est un privilège qui ne peut être profitable que lorsque tu mets tous les principes, je vais dire, ensemble pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Puisque Dieu t'a, il t'a doté de beaucoup de choses. Mais tu es en train de négliger ce que Dieu t'a donné comme talent, comme intelligence, comme sagesse. Mais sache qu'il y aura un temps, lorsque tu seras vieux, tu ne pourras pas récupérer ces temps perdus. C'est pourquoi il faudrait que tu puisses bannir de ton cœur le chagrin de la vie, puisque tu n'as pas de copain ou de copine, puisque tu n'es reçu pas, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux avoir. Il ne faut pas penser que, puisque beaucoup de gens de ta génération ont eu ça ou cela, et cela veut dire que tu dois aussi passer par le même chemin. Non, il y a des choses qui sont plus importantes que cela. La paix, la joie, l'amour. Tu es jeune, tu aimes plus beaucoup de gens, beaucoup ceux-là qui sont à l'extérieur de ta famille. Mais chez toi, à la maison, tu n'aimes personne. Tu es jeune, tu penses que comme tu es jeune, tu lis beaucoup, tu as tellement de l'intelligence que tu n'écoutes même plus tes parents. C'est-à-dire pour toi, tu es tellement intelligent que tu penses connaître tout. Non. Tu peux connaître tout, mais si tu n'as pas l'expérience de la vie, tu n'auras pas tout aussi. C'est ainsi que Ecclésiaste, lorsqu'il disait ça, il faisait allusion à tout cela. Puisque étant jeune, lorsque j'étais jeune, moi-même, je sais ce qui s'est passé. Et ce n'est pas seulement moi. Tout le monde qui était jeune passe par quelque part. Bien sûr, les contextes peuvent être différents, mais l'aboutissement de ces choses, si tu as bien marché, tu auras une bonne vie ou bien une vie meilleure après. Et si tu es mal comporté, tu auras aussi des conséquences. C'est ainsi qu'il faut comprendre que même dans ton cœur, il faut bannir le chagrin qui est dans ton cœur. Le Seigneur a besoin que tu puisses vivre comme lui veut que tu vives. Que tu te sanctifies chaque jour, même si tu es jeune, que les gens qui te voient ne te comparent pas d'autres jeunes qui sont là dehors. Même lorsque tu pars dans une fête, que tout le monde puisse voir que tu es différent ou différente d'autres jeunes.
Même lorsque tu passes le temps avec d'autres gens qui ne prient pas, que tu puisses réellement voir que tu es dans ton cœur, tu as quelque chose d'autre qu'eux n'ont pas. Être jeune aujourd'hui, c'est un moment très, très, très capital et difficile même. Pourquoi ? Parce que tu as beaucoup de demandes à la fois. Si tu es une jeune fille, il y a des gens qui veulent sortir avec toi puisque tu es belle, puisque tu as un bon corps. Si tu es un garçon, c'est la même chose. C'est la drogue, c'est l'alcool qui dans le diable s'est arrangé pour donner toutes ces choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient encore plus difficile pour de jeunes, n'est-ce pas, de s'abstenir, je veux dire. À notre époque, on n'avait pas l'Internet, il y avait des choses qui se faisaient. Mais aujourd'hui, là, les choses se sont amplifiées. Pourquoi? Puisque l'Internet vient encore, ajouter sa touche. Le monde entre ses mains. On chantait que le monde est entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est entre les mains de tout le monde qui a cet appareil ici. Et étant jeune, tu es en train, n'est-ce pas, de surfer ou bien de visiter des pages que tu ne devrais pas, dont tu ne devras pas faire ou bien visiter. Et c'est là que tu es en train, n'est-ce pas, de faire le déclin. Au lieu d'avancer, tu es en train de descendre vers le bas et cela va t'amener nulle part. Et puis après, à la fin, tu verras que c'était la vanité et tu n'auras plus le temps pour faire mieux. C'est ainsi que je vais t'interpeller aujourd'hui. Lorsque tu écoutes ces messages, ne cherche pas des explications, ne cherche pas donc des excuses pour ne pas mettre ce que je suis en train de te dire en œuvre ou bien en pratique. Prends ta vie en main, comme tu as pris le portable en main. Et demande donc au Seigneur Dieu de te donner les capacités, n'est-ce pas, de vaincre le péché, de vaincre le mal. Ne sois pas quelqu'un qui accepte tout ce que les amis disent. Ne sois pas quelqu'un qui accepte tout ce que tes amis te disent de faire. Sois quelqu'un qui donne aussi sa position pour dire que non, ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Mais moi, je me suis conclu de ne plus faire ça. Je prends l'exemple de gens qui pensent qu'ils sont encore jeunes, mais de passer à l'âge, n'est-ce pas, de 30, 40, 50 ans. Ce que tu as raté lorsque tu étais jeune, tu n'as pas besoin de récupérer ça aujourd'hui. Pourquoi? Puisque lorsque tu vas commettre ces choses-là, les vieux démons vont s'élever en toi. Et ils vont faire de toi comme tu vas faire des fautes, tu vas commettre des erreurs que même des jeunes d'aujourd'hui ne commettent pas. Et cela ne sera pas bien pour toi. Et lorsque tu as de passer un certain âge, il faudrait vivre comme un adulte, pas rentrer comme un adolescent ou une adolescente. Ta façon de t'habiller doit se concorder avec ton âge aussi. Ne pensez pas que puisque vous avez raté la vie, vous n'avez pas fait ceci ou cela, que cela s'est empêché ou je sais pas, tu as raté quelque chose. Non, la chose que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie, c'est que ce n'était pas destiné pour toi. Tu n'as pas besoin, après avoir suivi ou après avoir entendu quelqu'un parler de cela, et tu veux maintenant reprendre ou bien faire, comme on a dit, récupérer ce que tu as raté. Non. Si tu as dépassé l'âge de la puberté, l'âge de l'adolescence, c'est pour toi, c'est-à-dire regarde ce que tu es maintenant, ce que tu fais maintenant. Et si même tu as raté d'autres choses intellectuellement, on peut comprendre. Tu peux toujours aller à l'école, puisque pour aller à l'école, il n'y a pas d'âge. Mais il ne faudrait pas que tu penses que puisque tu peux partir dans un disco pour aller danser, c'est pas dans un concert. À l'âge de 50 ans, il y a un garçon qui t'amène pour te dire que non, allons voir la musique d'un païen. Ou bien allons boire dans un bistrot, un disco, tout cela. Cela ne pas, c'est pas dans ta nature. Lorsque tu vas faire ça, tu risquerais, n'est-ce pas, d'emprunter de mauvaises habitudes, de mauvais caractères. Et tu vas changer même la façon d'être. C'est pourquoi moi, je te dis aujourd'hui, toi femme, toi homme, qui a dépassé l'âge adulte, je veux dire l'âge de puberté ou l'âge d'adolescence, essaye d'être content ou contente de ta vie que tu as aujourd'hui. Puisque tu n'as pas fait
cette expérience-là, tu n'as rien raté, au fait. Ceux-là qui ont beaucoup vécu, qui ont fait beaucoup de bêtises, aujourd'hui, ils regrettent même d'avoir fait beaucoup de bêtises. Pourquoi toi qui n'as pas fait de bêtises, tu veux refaire de bêtises que d'autres gens refusent aujourd'hui? Mon message était réellement ciblé pour quelqu'un. Et toi qui m'as suivi, je sais que c'est un message qui... C'est une exhortation en fait. Je te demanderai de bien comprendre cela. Tu peux tout faire étant jeune aujourd'hui. Mais sache que tout ce que tu es en train de faire, un jour tu passeras en jugement. Et lorsque le jugement viendra, tu n'auras pas d'explication à donner puisque tu étais jeune, puisque tu as fait ça. Le Dieu qui jugera le monde, qui jugera les adultes, jugera aussi les jeunes. Puisque moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas un enfer pour des jeunes ou un enfer pour des adultes ou un enfer pour des blancs ou des noirs. L'enfer sera enfer pour tout le monde, y compris le diable. Et le ciel sera le ciel de tout le monde, y compris notre Dieu. Que ce message puisse prendre place dans ton cœur et que ta vie puisse prendre une autre dimension et que le Seigneur puisse réellement t'aider à avancer d'un pas. Shalom.